One, two, three. Hey Frenchies! Alors bienvenue ou bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons manger des spaghetti bolognaise avec des pains mozzarella à l'ail que j'ai fait. La recette, vous l'avez. Nous avons en boisson du Royal Soda. J'ai goût ananas. Et moi, peut-être orange. Et Sephora a goût, t'as goût quoi? Orange. Non, Sephora a goût banane. T'aimes bien, la première fois que tu as vu, c'était ça. Mais bien sûr, nous allons commencer par faire les Shalom. Parce qu'on sait que vous aimez les Shalom. Et on aime vous faire plaisir à faire les Shalom. Donc nous allons débuter ces Shalom. Je sais que t'aimes trop. Alors, première dédicace. Premier shout out pour, tu veux le dire? Premier shout out pour Maria. Pour Crystal Yueshan de Maurice. Pour Saramas. Saramas, ça ramasse quoi? La cou. Non! Pour ça ramasse la couillonis. Pour Esma et Mariam Camara. Pour Lana Lily. Pour Kelsey et Clarisse 974 Boula. Pour Sarah 974 Boula. Maman, tu dis pas ma place. Mais tu l'as dit en même temps que moi, toi. Charlina, Aurélie, Léa et Laurie de Maurice. On dit que Maurice.
orange aussi. Pour Loemi, la sœur de Luchel. Et en dernier, pour Brunaël, Nessa, Quincilla et Lorina de Maurice. Tu savais? Oui, on dit que Maurice. Ben oui, mais ce sont les premiers à demander bon appétit. On vous aime tous très fort. Et c'est pour elle, elle n'a pas le temps. Elle a commencé direct avec sa fourchette. Bon appétit, jeune fille. Merci. Ils sont beaux, la banane. Mmh. Oui. Je mets les deux là. Bon appétit. On fait cheers. Alors, voyons voir. Je goûte d'abord comme ça et ensuite je rajoute mon piment de mon côté. Mais c'est trop bon. Ah ouais? Oui. Attends, je goûte et ensuite je mets mon piment. Première bouchée pour vous. Faites A. Ah, c'est bon, je peux manger? Ok. Maman, tu prends des grosses bouchées, toi. Ah ben, parce que j'ai une grande bouche. Et toi, ça fait un petit peu pour toi. Hum? Ça fait un petit peu pour toi, toi. Oh. Ouais, c'est bon. Hum. Je veux te dire... Je veux dire, c'est trop bon. Ben merci. Merci chérie. Il me reste plus beaucoup de piment. Bah oui. Bon ma fille. Ouais. Tu sais que partout ici là où je mets. C'est pas bon. C'est pimenté donc. Je dois pas prendre. Tu peux prendre si tu veux mais si ça te pique faudra pleurer. Hein. D'accord. Ouais. Un peu de viande. Bon. Voyons voir avec le piment ce que ça donne. Ça va être piquant, tu aimes toujours le piment, donc t'aimes bien. Bah oui. Mmh. Et il fait beau là, il y a eu 2-3 jours où c'était gris, pleuvait de tout le temps là, mais là maintenant le soleil est sorti, t'as vu ça? Oui. Vous avez vu la qualité de l'image là? Le soleil, c'est normal. Mmh. Donc, j'ai mis une lumière. Mmh. Et sinon j'ai une idée, on met que la lumière quand il fait sombre. Enlève ton truc s'il te plaît. Le mouchoir là, il faut pas le mettre dedans, hein. Quoi, t'as mangé le piment où il y a assez mon truc? Non, il y a une pâte. C'est ça quand tu mâches pas assez bien. Avec ta tête là. Ça c'est pour pas salir. C'est pour pas salir. Non mais il faut quand même que tu prennes le temps de mâcher, hein. Tu prends jamais le temps de mâcher toi. Tu prends, tu mets dans ta bouche, tu mâches deux fois et t'avales. C'est pas bon. C'est comme ça que tu peux t'étouffer. Même les abonnés, ils l'ont dit. Ah, j'ai mis de la langue. Hmm? La langue. Il y a bébé Aaron qui va bien. Et les abonnés qui ont demandé comment il allait. Bébé, viens montrer ta tête ici. Viens. Papa, il veut pas. Hein? Il est pas propre, il a du lait partout. Tu lui en as mis partout. Ben la prochaine fois, hein. Oh non. Ou alors si papa a le temps de le nettoyer. Oui. On va voir, hein. Oh. Il vient de prendre son bibi. Il doit avoir du lait partout. Les abonnés disent, mais ton fils, il va bien, on le voit plus. Il va bien. Oui. Il va très bien. Oui, et en bonne santé. Il a sa première dent qui a commencé à sortir hier. Oui. Ouais, j'étais choquée. Tu vois, à chaque fois, il prend mon doigt, il met dans sa bouche pour me croquer le doigt. Et hier, quand il me l'a mis, je vais... Il y a une dent qui perce. J'ai fait la même tête quand tu as eu ta dent qui est sortie aussi. Maman, mmh? Je sais... Oui, je sais voir, mais ça pique vraiment. De quoi? Sa dent. Ah bah oui, hein. Alors, on va voir si c'est encore, ça fait encore le... Ah, ça fait plus le cheese pool. C'est quoi le cheese pool? Ah quand oui. Le fromage il se tire. Oui, je sais. Ça l'a fait dans la vidéo parce que c'était encore chaud. On l'entend qu'il papote là-bas. Bon. Quoi bon? Je vais voir si c'est bon. Je vais voir si c'est bon. Ouais. C'est bon, c'est bof. Bof. Ouais, d'habitude, je fais pas comme ça. Là, je me suis dit, bon, je vais tester une autre recette. J'ai vu quelqu'un sur YouTube faire. Hein? J'ai fait, puis bof. Mmh. Quoi?
Mmh. Et si on trempe avec ça? Vas-y. D'accord. Je vois si y a de la viande dessus. On va voir. Comment tu manges, toi? Ça va, papa? Il n'y a pas beaucoup bu? Bah oui, c'était pas encore bien l'heure, il fallait attendre 14h, je crois. C'est bon. Et la viande. Mmh. Ça y est, il a eu 6 mois. C'est un vieux. C'est vrai? Bah oui, il a eu 6 mois là. Ah ouais? 18. Donc c'est comme ça que sa dent elle a percé. Mmh. Bon, il y en a, ça prend plus longtemps, mais lui, il a 6 mois. Dès qu'il a eu 6 mois, ça a percé tout de suite. Il cherche pas. Il a dit. Et maintenant, quand on mange un sandwich à côté de lui, avec lui, dans les bras, il mange le sandwich. C'est ce qu'il a fait à papa tout à l'heure. Je l'ai vu. Bon. On va aller manger avec papa. On a bientôt fini. On mange encore un peu. On mange encore une bouchée, après on arrête, on va manger avec papa? Oui, on mange encore une... Moi, je mange une grosse bouchée. Ok, moi aussi, regarde. Mmh. Ah, la plus grosse que j'ai. Bon, c'est pas qu'on vous aime pas. Non, vous êtes beaucoup. Je vais boire. Ça là. Vous êtes bien? Oui. C'est pas qu'on vous aime pas. Mais on va aller manger avec Doudou, tous ensemble. Donc voilà, elle boit un dernier coup et ensuite on vous dit bye. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite croix, qui est la petite cloche qui est juste là, pour recevoir toutes les notifications. On vous aime tous très fort. Bye.